Hey, yep, tout le monde, on se retrouve avec Mister Pierre ah pour du matériel énergie cube. Wouh! Dégage. Alors, pendant que Épée met des patates, alors Épée est allée explorer ce petit. Souvenez-vous de ce petit monde là où il y a de la. Attends, je brûle pendant longtemps. Où il y a de la redstone liquide. Pendant combien? C'est du fire aspect combien? 5. Ah oui, Voilà. t'as pas cassé tous les spawners en Ah bah fait. pas cela, non, non, pas cela, c'est encore l'étage au-dessus, en dessous. D'accord. Donc il allait explorer là-dedans, épée, il est allé jusqu'en bas, il n'y avait rien de tangible apparemment. Et pendant ce temps, moi je me suis fait plein de petits crafts pour valider ma quête, vous allez voir, tout ce qui est coloré là en violet, il y a pas mal de quêtes. Alors la dernière fois je posais la question, comment on faisait ce Inolashit là, le nom à la con, en fait il suffisait de lire, hein. Il suffisait juste de composer des éléments de métallurgie dans le four de Tinker Construct. Donc du coup on a notre reward et j'ai validé d'autres quêtes. Alors le Yolorion on allait le chercher, c'était pas compliqué. Les spectres, ça se faisait avec, tu sais, les trucs quand tu, les sortes de slime qui volent dans tous les sens, quand tu les tuais, ça te donnait une éthérale machin truc. Donc bref, voilà. Rien de plus compliqué. Les fluxets de cristal. Oh tiens, ça donne une Universal Seed Seed. Alors apparemment, ces trucs-là, c'est pour faire pousser des choses. J'ai pas trop bien compris comment ça marchait encore. Mais je sais pas si t'as regardé, épée, c'est fluxets de cristal comme mode. Non, pas encore. Et en gros, on a des sortes de graines qui grandissent un certain temps. Il y a différents tiers. Mais ça ressemble, tu sais, les trucs de cropping d'Industrial Craft. Mais je ne sais pas ce que ça donne en fait. Est-ce qu'on peut mettre un truc dedans et. Tiens, on a un Ender Fragment de plus. Faut qu'on regarde le mode. Là, pour le coup, je connais pas du tout pour l'instant comment ça fonctionne. On a fait également des trucs de. Voilà, le VAT. Donc c'est pour faire des liquides qui donnent place à l'autocrafting et ensuite au farmer, la farming station. Et puis il y a le magma crucible que j'ai crafté histoire de compléter la tâche en fait. Pour la lumite par contre, de mémoire, qu'est-ce qui nous manquait pour la lumite? Il manquait un truc. La limite, ouais, c'est l'aluminium. Oui. C'est l'aluminium et l'aluminium. Ah oui, voilà, l'aluminium. Il nous manquait de l'aluminium. J'ai mis des. Ah tiens, regarde, elles ont poussé. Allez, ouais. C'est du Alors, coup, c'est des nuggets. comment on les récolte? Il n'y a rien dessus pour l'instant. Il y D'accord, aura. faut attendre que ça grandisse et ensuite que ça pousse. Attends, je vais vider, j'ai plein de trucs sur moi. Et sachant que c'est des nuggets hein, qui te sort hein, à chaque fois. Ouais, c'est des nuggets, donc il en faudra pas Ouais. mal jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'il faut. Alors, je vide tout la merde qu'on a. On a la spectre glace, c'est super cool. Et les reward bags, attends, qu'est-ce qu'ils m'offrent? Oh putain, non, mais please, j'en peux plus de ces trucs. De quoi les Golden Oh, Lasso? les golden lasso. Déjà, et puis les générateurs là. On a, je sais pas combien de ces trucs. Ah les magma, ouais, bon, pff, on doit être à une soixantaine déjà. Facile. Je sais pas si je l'ai montré la dernière fois, si cette épée que j'ai chopée, je l'ai mis au max avec le lapis et du coup elle fait plus 15 attaques damage, donc on va s'en servir un petit peu. Golden lasso, on va balancer, on s'en fout. Oh, what? Ouais, c'est ce que. What? What the fuck? Je savais pas qu'on pouvait mettre le liquide comme ça. Rien que Ouais, l'aspect du liquide, c'était déjà assez bizarre. je ne veux pas en savoir plus. Justement, j'ai mis un peu de Mindshame parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'on est coincé dans les quêtes sur le bas là, en bas à gauche. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de Soul Sand pour avancer, notamment parce que pour crafter l'auto-crafting là, auto-crafting, hein, comment ça s'appelle ce truc? Non, le crafter, putain. Du lit, du Donc ça c'est beryllium, Ender.io. silicone et oxygène. Le crafter, on a besoin du Z Logic Controller avec un slice and splice. Enfin, ça a l'air assez rigolo. Oh d'ailleurs, il faut l'alimenter. Je l'ai mis ici, mais c'est pas bon en fait. Wow, comment ça se récupère ce truc? Ok. Comme ça. Il va falloir le mettre côté alimentation. Donc fous-le ici, c'est du Ender.io de toute façon. Voilà. Ouais, ou là-bas.
Mais pour l'utiliser, on a besoin de Soularium et le Soularium se fait avec de la Soul Sand. Et on n'a plus de Soul Sand, hein, c'est le souci qu'on avait. Donc on a mis du Mindshame. Alors je vais te montrer comment ça fonctionne, Mindshame. T'as un synthétiseur, un décomposeur. Alors j'ai déjà décomposé plein de Soul Sand, parce qu'on a masse de Soul Sand coloré. Ouais. Et du coup, Donc comme je vais tout récupérer. on peut pas Ouais, l'utiliser. c'est ce qu'on avait en masse, mais ça sert strictement à rien. On peut pas l'utiliser comme Soul Sand normal. Si je dis pas de bêtises, tiens, on va essayer. Tu sais quoi, on va essayer. Ouais. Non, non, on peut pas la mettre, hein. C'est que de la Soul Sand normale qui marche. Donc, comment faire? Eh ben, vous décomposez de la Soul Sand à la con. Donc, par exemple, regarde dans le décomposeur, je vais en balancer 15. Boum, elle se décompose, ça utilise de l'énergie. Alors, ça fait du silicone, de l'oxygène, ça fait plein d'éléments à la con. On a de l'einsteinium radioactif. Ok, super. D'ailleurs. Radioactif pendant 1 h 11 minutes et bah 12 minutes quoi. Ouais, sauf que. Ah oui, voilà, 1h11 minutes 59 secondes. Alors, tant qu'il est là-dedans, normalement, c'est bon. À partir du moment où on l'enlève, ça va déclencher la radioactivité et au bout d'un moment, il va disparaître. Et donc, ça, c'est pour décomposer. Et après, on va pouvoir recomposer. Mais pour recomposer, il faut qu'on ait les recettes. Et pour ça, regarde, je mets le Chemist Journal. Et mec, on va observer de la Soul Sand. Regarde, c'est magnifique. Oh. Donc, la Soul Sand, tu vois de quoi elle est composée en fait. Lead, beryllium, silicone et oxygène. Donc, c'est bon, je peux récupérer ma Soul Sand. C'est dans le Chemist Journal. Du coup, maintenant, on met ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ah oh, putain, ils l'ont pas mis à jour. Toujours le problème, ils l'ont pas mis à jour. On peut pas balancer la recette directement. Ok, alors il nous faut. Retiens 3 plombs, 1 de beryllium, 2 de silicone et oxygène. Plomb, beryllium, silicone et oxygène. Donc silicone G, oxygène G. J'ai qu'un seul de plomb, mais par contre j'ai pas de beryllium. Oh fuck. Alors attends, De toute je vais façon, tu peux le décomposer le voir Soul Sand. comment se compose du B la Soul Sand avec Anui. Ah oui, tu le vois directement, j'ai du beryllium, cool. Dans le bon beryllium, je me souviens plus dans quel sens c'était. Alors, beryllium, tu peux l'avoir avec de la netherrack. Ah, cool. Silicone, plomb, oxygène. Vu que Silicone, la netherrack, on en a pas mal à côté. 3 beryllium, c'est un d'oxygène, je crois, et deux de plomb. Non, c'était pas dans ce sens-là. Deux de Tu silicone, l'obtiens aussi avec trois d'autres de plomb. soulsand coloriés. On n'a pas assez de plomb. Pas de plomb. Beryllium. Voilà, regarde. La recette s'est mise. Seul problème, c'est qu'on n'a pas assez d'ingrédients. Il nous faut un chest pour tous les éléments. Ouais. Un gros chest. Donc il faut regarder comment obtenir. C'est bon, j'ai pris le chest. Par contre, niveau énergie, ça descend. Oui, bah j'en ai décomposé énormément aussi. Puis il y a le comment? Le synthétiseur là qui est en train de charger, charger, charger. Ah. Il n'est qu'à 5% de stocké. Wow. Ah oui, c'est 300 000 par item, ça coûte extrêmement cher en énergie. Donc on va devoir faire de la Soul Sand. Donc il nous manque le silicone, on en a la masse. Il nous manque surtout beryllium et plomb. Le lead, si je dis pas de bêtises, on en a en fait. Ouais, du lead, on en a pas mal, hein. On en a beaucoup. Donc on va le décomposer directement. Normalement, on peut le décomposer directement. Ouais, regarde. Ça en donne 16 en plus. C'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui nous manquait d'autre? Ah, le beryllium. Alors le beryllium, Beryllium. comment on l'obtient? Beryllium. Avec un saut de beryllium, oui, merci. De la netherrack, on peut en avoir. On a 10% de chance. 10%. Attends, on a peut-être du béryl. Donc on a du béryl. Il faudrait l'andstone. Bon, du solarium, non, c'est un peu stupide. La nether brick aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, Netherbrick, c'est dans l'autre monde.
Non mec, j'ai encore masse. On n'avait pas du béryl? Hop, c'est du coup dans les heures sphères. Silicone. Oh là, on a une masse plomb. Ah là, j'ai du beryllium. Bon, j'ai pas mal de beryllium, mec. Bon, j'ai chargé le monde au cas où. Ah mais ça. Ok, ça l'a synthétisé déjà. C'est bon, mec. Hein. J'en ai synthétisé pas mal là. Effectivement. Voilà, il manque du beryllium. Donc vas-y, tant qu'à faire, on va balancer masse de colorate sandstone à la con. Mais on doit en garder pour la quête, un stack de chaque. Il en faut 20. On a plein de sous le sang d'ici donc. 10, 10 et 30, ok. J'ai encore un peu de beryllium. Après c'est random, hein, sur la décomposition, c'est toujours le problème. Pourcentage de chance. Aldurite, c'est pas ce qu'on voulait à un moment. Non mais c'est bon, j'en ai fait. Parce qu'il y en a en fait en dessous des barrières de Netherbrick. Mais attends, on a de la netherbrick en masse. Ouais, vas-y, récolte-en. C'est des Ouais, barrières ça là sert à rien. actuellement. Non, non, tout ce qui est sur le côté, c'est de la netherbrick. Ah oui, Gisèle. Oh merde, elle... Ah, c'est de l'obsidienne netherbrick. Ah, c'est du chisel. Faut que je la transforme en... En normal, je crois. Donc oui, c'est un petit peu compliqué, Mindshame, surtout automatisé, en fait. Ouais. On va transformer la netherbrick chelou en netherbrick normale, et normalement je peux la décomposer dans le Chemical Decomposer. Et je ne dis pas de bêtises. Yes. Ah, et ça fait du beryllium. Bon alors par contre, on a masse connerie. Ça va le Le seul golem cette année? problème, c'est que tu te retrouves avec 50 milliards d'éléments après. Ah bah ouais. Ah oui, ça donne pas mal de beryllium, cette connerie. Ça donne du genre même masse, en fait. C'est plutôt cool. Ok, on a un problème, on n'a plus d'énergie. Ah Silicone, oxygène, bah. et on a plus de plomb, on doit en avoir quelque part. Ça a dû descendre assez vite, hein. Ouais, 36 de plomb. Ouais, c'est vide. C'est le seul problème. Alors par contre, on a 25 de Soul Sand, c'est bon! On a... Voilà! Et on a l'Amber Wool. Tes souhaits. Et par contre, ça nous a pas donné un... Oh putain, faut faire du Pyrothéum! On en avait? Pyro. Oh, Bah oui, le pyro, oui. faut retourner en chercher. Il nous en faut 5 sauts, mec. Ok. Oh, j'ai un tesseract. Non, trois tesseracts. Nice! Oh, c'est fun, ça. T'as chopé ça. Dans un Un bac. canister de plus, par contre, on n'a pas un monde de plus. Je pensais qu'on aurait un monde de plus. Ouais. Bon, Tesseract, en tout cas, ça peut être pas mal. Parce que tu laisses tourner du coup le réacteur et tu... Pour Mindshame, quoi. Surtout ça. J'ai eu des trucs chelous. On va mettre tout ça là. Bon, le vat. On regardera si on peut former des liquides avec le vat. Ouais. Je l'ai mis là, mais il est non alimenté, c'est en attendant. Tellement plus d'énergie. Attention, ça va couler en dessous, hein, ça va couler en dessous. Fais gaffe les plantations. Ouh, t'as été rapide. Ça va. En parlant des plantations, j'en ai. Ah bah tiens, ça a poussé. Je vais aller chercher. Ah, c'est J'ai mis ça. des cactus et de la. Et de la canne à sucre, parce qu'on va en avoir besoin. Ah, ça c'est bien. Ah, il est pas mal comment? L'animation par rapport à le synthétiseur. Ouais, Ah. elles sont sympas les animations de Merchem. Alors du coup, il te faudrait du pyrotherium. En soi, ça faudrait que je le Alors. dédouble, ça irait plus vite. Ouais, du pyrotherium, on en a en bas de la Nether Sphere. Ça va nous Nether, permettre Nether. Ah de bah, compléter il tout était la Nether Sphere. ça. Je comprends. Alors maintenant que j'ai eu
Chenob, réacteur. Là, sous le sand, on va la décomposer avec du gold. Et ça aussi, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est 10 000, je crois, par truc. C'est violent, là, on commence à avoir des trucs d'énergie. Il faudrait qu'on. Bah, si on a des tesseracts, ça sera plus simple, peut-être. Je suis en train de... Normalement, le Tesseract, il est relié directement et du coup, il y a de l'énergie qui arrive. Ah, ça c'est bien ça. J'ai bien dit normalement. Ah, la Netherwart, attends, on va garder un peu. Bah, il en fallait 20, c'est bon, on va compléter cette quest. Ah, du coup, on en a 60. Ah, mec, on a eu un stack de Soul Sand. Ah, génial. Oh, c'est bon ça. On va être un peu plus tranquille. Je la garde pas toute parce qu'il me faut J'en ai un masse. stack alors. Ah bah oui, toi aussi t'en as un stack, c'est bon ça. Donc on a plus besoin du truc de mineshaft. On en avait besoin un peu au début de toute façon. On n'avait pas le choix. Et du coup, je vais pouvoir faire le crafter. Pour ça, voilà. De silicone. Il y a tellement d'ingrédients dans ma chaîne. Ah oui, non, c'est violent. Un redstone. Un truc. Ah oui, puis il faut ça et ça. Beaucoup de craft aujourd'hui. Effectivement. C'est comme ça qu'on avance sur les quêtes. Et du coup, normalement, là, ça m'a fait mon solarium. Ah, ok, très bien. Mec, je découpe des têtes. Ah, carrément. J'ai fait le Z Logic Controller. Je sais pas ce que à quoi ça sert Oh, ça. regarde, regarde, c'est énorme. La manipulation de l'image. Ouais, j'en ai eu aussi. Ah oui, la Z Logic Controller. C'est chiant ça en plus. Ah, c'est pour la farming station. Alors, on a masse d'Ender Fragments. Ouais, 24, plus des Ender Diamonds. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. Alors, Ender Fragments, ça peut faire des Ender Pearls. Ok. Et l'autre, c'est des Ender Diamonds. Oh! Je Ok, change. d'accord. On peut faire. Ok. Ok. Ça c'est bien ça. On va les décomposer parce que. On a max masse d'Ender Diamond. On va les décomposer. Ça fait des nanotubes. Intéressant ça. Et surtout, les nanotubes, on peut les recomposer en diamant. Je crois que c'est 3 nanotubes pour un diamant. Voilà, 3 nanotubes. Ah oui, ça, important. Donc on peut effectivement les recomposer, on va se faire du diamant, mec. Oh bah allons-y, hein. Soyons fous. Soyons, Mec, soyons. on a plus d'énergie. Bah le réacteur, il arrive. C'est juste que... C'est juste que le réacteur, il ne produit pas forcément assez. Ouais. Bah c'est plutôt le câble en fait en dessous qui est limité. On peut pas le. C'est quoi? Oh, Ah bah oui, c'est chiant. C'est du câble de merde, ça. Faudrait qu'on améliore. Bref, on va améliorer. Attends, moi je vais. Est-ce que le slice machin il a terminé? Oui, j'ai mon Z Logic Circuit. Bien Andorio, c'est un mode que je connaissais très peu, à part les trucs classiques, mais. Oh, il est très bien, Dario. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vas-y, je l'avais fait, ma machine casing. Obligé de le refaire. Hop! Évidemment. On la connaît, le coup de plus avoir de bois.
Ok, ça pousse pas la bonne mille. Comment tu les fais pousser ces arbres? Peut-être qu'ils sont trop près, je sais pas. Non, non, non. J'ai en fait la bonne mille les transforme. Attends, je vais regarder si on n'a pas des autres saplings. Pas des saplings traditionnels? Oh bah, sapling et Non, on puis. a que des kyparis, mais quand j'applique de la bonne mille dessus, ça les change. Il passe en Acémus sapling. Bien compliqué Tac. tout ça. Bah c'est surtout si on peut pas faire pousser des arbres. Et ouais. Faut qu'ils poussent naturellement. Pourtant on arrivait à les bonnes milées. Est-ce que c'est pas un problème de hauteur? Ça. Ah bah t'as mis ton truc de cloud J'ai mis là. les nuages, tu crois que c'est ça? Ça pourrait. Quand monsieur s'amuse, hein, plus rien ne marche. On casse tout. Attends, ouais, non, du wood, on en a plus du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, ça c'est chelou. Faut qu'on regarde pourquoi ça pousse pas. Sinon, on va dans la sphère du début là. T'as pris le pyrothérum, toujours pas? Tu veux que Tiens, j'aille t'as le un arbre. chercher? Comment tu l'as fait pousser? Les bonnes mills. What? T'en as mis combien? Deux. What the fuck? Faut qu'on casse les. Les nuages au-dessus. Les nuages qui doivent bloquer. Je sais pas. Bizarre. Bon, bref, on a notre bois. T'en as qu'un qui veut pousser par contre. Hein. Ouais, alors les autres. Ils vont se faire. Alors, tout ça pour faire une table de craft, mec. Enfin, je veux dire. Ah ouais. On en est là. J'ai mon crafter! Oui! Et comme ça, on a notre far... on va pouvoir faire notre farming station. Du coup, ça va nous permettre derrière de faire l'usine à cookies. Oh, mec, il faut des pulsating cristal, je le sens pas. Il faut deux diamants. Oh, il faut de la pulsating. Ok, ça c'est pas compliqué. On a tout ce qu'il faut. À part l'énergie. C'est pour l'obsidienne. Ouais, bah ça viendra l'énergie. Ouais! Un diamant! Ah, il faut 3 millions d'RF pour le prochain. C'est 3 millions, c'est ça? Vache. 1, 2, 3. Ouais, 3 millions d'RF, tu m'étonnes que. Donc on a un diamant. Écoute, c'est le début de la fortune. Ouais. Il nous en faut deux. Et pour les Ender Pearl, si je dis pas de bêtises. Oh, ça se fait avec les gemmes aussi, il faudrait qu'on regarde hein. Les smooth pulsating avec les shards, je sais pas comment ça fonctionne. Il nous faut une Ender Pearl et l'Ender Pearl ça se fait avec les Ender Fragments, c'est bien ça. Il en faut 5. Oh bah mec, on a déjà des Ender Pearl. Ah, il y en a 4 de plus. Putain, c'est en train de faire du solarium, mais c'est tellement long. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ça, on... Oh putain, oh, il faut sérieusement une houe en diamant. Vraiment? On n'en avait pas Vraiment? une ou en diams, par contre. Ah non, c'était en bois. Tant mieux. On décompose un peu plus. Nanotubes. Bon bah, du coup, ça va prendre un petit peu de temps tout ça. Mais je pense, j'étais persuadé qu'on allait avoir un nouveau monde aujourd'hui. Et en fait, non, je suis un peu déçu. Oh mec, on a open le Lost in Time. Ah, très bien. ME contrôleur. The system core is ready. I Ouah. open flux in space-time unknown. Ok, il nous faut un augment space-time flux unifier. Ah, je crois que j'en ai eu un en Et on quête. a le reflection of space. Ah bah non, j'ai Regarde si pas. tu l'as, cet augmente. Ah. Donc effectivement, on part space. Putain, qu'est-ce que c'est que cette augmente? C'est un truc de thermal et je pense qu'il Oh, ça va, regarde, c'est pas très cher. Ah bon? On peut le faire. T'as des Ender Pearls? Oui. Dans système même. On peut le faire, il nous faut juste un. Voilà, c'est bon. Ah, tu l'as fait ou pas? Ouais, j'ai Ouais. pris. Oh, wow! Prends-le à la main!
Envoie-le-moi, ouais. Tiens, vas-y, attends. T'as vu ce que ça donne à la main? Oh la vache, à la carte. C'est du genre, tiens, prends-toi ça. Bah du coup, attends. C'est cool parce qu'on a le nouveau monde. Regarde, t'as vu Oui, les quêtes? Oh, il y a une réflexion. Super Nintendo. Ah. Void Nexus. Il nous faut une lumière de Void Nexus. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors il y a plein de trophées qui nous manquent. Ah, que Mystery, regarde, on a débloqué certaines choses, j'avais même pas vu. Ah bah oui, c'est ça, on a les énergies cell. Je peux pas claim la reward parce que je dois retrouver tout ça. What the fuck, c'est quoi ce monde? Tu l'as chargé? Ouais. Alors attends, du coup je vais jeter moi ma. Je sais pas ce que c'est, mais ça fout la chier. C'est Reflection of Space. Oui. Merde, c'est de la Void Stone, attends. Attends, on va l'explorer. On va l'explorer. Alors c'est bien comme on a tout en double en fait. C'est plutôt pratique. Mec, on a une canister aussi, hein, une green. Ça peut être utile. Non, j'ai tous mes Ah, rewards. ok, très bien. Mes reward bags, ça on va le mettre là. C'est quoi ce truc par contre? What is the fu? Ok, pourquoi pas tout ce bordel. Par contre, c'est très intéressant ça. Ouais. Pas garder les wooden machetes quand même, faut arrêter les conneries les mecs. T'as vu que les items despawnent pas hein? Ouais, faudrait que je me fasse une trash et puis je vais tout foutre dedans. Ok, on a la green card. On va pouvoir aller jeter un oeil à ce monde. Te sens-tu prêt à mourir? Non. What the fuck? What the fuck? Oui, bah Mec, oui. y a une tombe là-bas, je sais pas si t'as vu. Oui, je crois que c'est la mienne. Et t'as vu là-haut? Je sais pas, c'est chelou. Ouais, t'as des blocs. Toi, t'y vas, moi je descends. On va faire ça à la régulière éclair par contre, parce que. Je sais pas, je sens très mal. Toi aussi? Ouais. Ça sent le piège. Tu le sens le piège? Beaucoup. Attends. Ah oui, mais t'as plongé toi? Non, j'ai pas plongé. Parce que je crois qu'il y a du verre. Donc j'ai pas envie de crever. Ah oui, non, tu descends de l'autre côté, d'accord. On a fait deux chemins, tu sais. Très bien. Ça fonctionne ou pas ça? Ouais, je sens que c'est une couche que de 1 d'eau. Soit de Ah oui. 1 d'eau, soit. Non, mais tu sais que tu passes à travers du coup. Ah oui, bon bah. C'est horrible, ces blocs derrière, on n'arrive pas à savoir. Non. Ah bah non, on aurait pu sauter. Mec, ça ressemble au truc du début. Bah oui, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, très bien. Alors attends, moi je vais y aller à l'américaine. Oh, on a de la Skystone. Personnellement, je le sens pas, mais... T'inquiète, tout va bien se passer. Truc qu'au début. On a du pyrotherium x2. Je prends du 120 pyrotherium. Oh. Error, loading, scaling. Ok, très bien. Ah oui, je tape trop lentement avec cette truc, c'est ce que tu disais. Ouais. Geronimo. T'inquiète. Cependant, pourquoi ils nous ont donné ça, sachant qu'il y a quasiment rien? Par un tas de mobs en bas, mais... Oh!
quoi ce truc. Mec, il y a des. C'est quoi ce truc là? 8 Void Stone, c'est pas ça qu'il faut prendre? Je suis en train de me demander. Void Stone. Alors, this place look familiar, but the wall and floor are made of something foreign. I have the feeling that something is watching me. Alors, il faut trouver une source condensée du void, l'analyser. Et on pourra se connecter à cette dimension. Qu'est-ce que t'avais dans le coffre? Pyroterium. Ok. Il y a un autre coffre en dessous, par contre. Ouais, mais attends. On éclaire partout avant d'y aller. Ah! Bonjour! Je suis dans la merde, la maison qui brûle. Ah, par contre, on one shot les mobs quand t'as force, c'est bien. Vas-y, je les occupe. Ouais, c'est bon, je l'ai. Remonte! Ça va. Bah, c'est bon, au calme en fait. Ouais, je pensais pire. C'est marrant, ça. C'est marrant, ils ont reproduit vraiment le truc. Bon, ça spawnait en masse quand même. Mais c'est bon. Donc en fait, il était très petit ce monde, c'est juste une copie de. Avec ta tombe là-bas. Mec, par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est les blocs là-haut. Ouais, les blocs un petit peu buggés là. Ouais. Ouais. Aïe. Je vais voir du coup. Oh, c'est sérieux. Bon, désolé mob, mais je remonte. Voilà. Ouais. Ah oui, tu vas. Presque, oui, mec. Tu vas en mode beau, hein. Non, c'est juste de la Void Stone, mais qui est en erreur. D'accord. Moi, j'allais chercher ma tombe, là. Ouais. Au passage. C'est cool, du coup on a ouvert un nouveau chapitre, il faudrait qu'on finisse quand même le... Alors attends, on a les rewards, on a l'inclusion chamber x4, Torch of Time... Oh mec! Oui? Tu sais la petite Nintendo, c'est Bigger on the Inside, c'est un personal shrieking device. Mec, personne... Ça veut dire en gros on va pouvoir rentrer dans des petites structures. On va pouvoir être réduit en taille. C'est quel mode qui fait ça? What the fuck? Cependant la tombe que je viens de récupérer c'était la tienne. Ah bon? Ouais. Et quoi dedans? Du bon stuff. What? Quand est-ce que j'ai perdu ça? Peut-être au tout début? Ouais, sans doute. Bon bah ça progresse petit à petit, c'est pas trop mal. On a ça qui sert pas à grand chose. Colorate Soul Sand. Tout balancer là-dedans pour l'instant. Ouais, attends, j'ai un. Oh, ah, j'ai eu des ME interface, un matter condenseur. Ah, ça c'est bien. Bah. Et des crafting terminaux dans tous les sens. On a déjà ce qu'il faut, mais. Oh, mec, j'ai un Alienware. Lol. Très bien. Placement de produit. Non, mais le truc s'appelle Alienware. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Quasiment rien. Redstone, il est quasiment plein. Ça se répare avec du platinum. Mining speed 27,6. Ah, oh, c'est du beau level. Ça mine rapidement ou pas? Ah, testons ça. Ah non, c'est pourri. Attendez, ce mining level, c'est quoi? Où est-ce qu'on voit le mining level? En faisant shift. Non, je l'ai pas. Bizarre. C'est pour autre chose alors, c'est pas pour miner, je sais pas à quoi ça sert. Bon, de toute façon, on a la vulcanite, donc c'est un peu inutile. Je balance ça là-dedans. On a le nouveau monde. Du coup, bah tu vas me dire quand t'es sorti, on va juste faire genre. On regarde un petit peu et puis. Je suis déjà sorti en fait. Bah vas-y, je vais. Tu peux jeter ta disquette, moi je vais loader la mienne. Tu sais, c'est jamais bien d'en avoir les deux différentes. C'était quoi le monde? Non. Tu l'as déchargé là, c'est bon? Ouais, ben elle est dans le système Applied. Mais c'était quoi le nom? Reflection Space. Inclusion Chamber. Non, c'était Reflection Space là. Non, Inclusion Chamber x4. La nouvelle. T'as pas claim la reward. C'est bon, je l'ai chargé. D'accord.
Yes, c'est ça. Ah oui, oui, ok. Oh mec! Nice! C'est exactement... Oh putain. Ah. Oui, en version plus hard, je crois. Oh god. Ah, les zombies rigolent zéro, là, mec. Ils ont du speed. Tu veux de l'aide? Non, non. Nice, j'ai augmenté le niveau de ma... Moi, j'ai des bugs. Ah oui, c'est en mode un petit peu plus hard ici. Ok, très bien. Ça va, y a pas beaucoup de spawners, c'est ça qui est bien. Pour l'instant. Bon, du coup, on verra ça la prochaine fois, les amis. Parce qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On a pas mal avancé. Oh, ok. Taillot, ils font trop mal, mec. Moi, j'ai one shot. Heureusement que j'ai... Ah, bah c'est de la Cursed Earth. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça spawn. Ah, l'alléluia. Je te laisse dans ta merde. Ok. Je recule. C'est bon. Bah tu sais quoi, EP, on verra ça la prochaine fois. Volontiers. Suspense. Allez, ciao les gars. Bisous.